Chers frères et sœurs en Christ, en ce matin béni, nous nous réunissons dans l'esprit de communion et de foi pour débuter cette journée sous la guidance et la protection de notre Seigneur Tout-Puissant. Il est essentiel de commencer chaque journée en se recentrant sur ce qui est véritablement important, et quoi de mieux que de le faire en se plongeant dans les paroles réconfortantes du psaume 23. Ce psaume, écrit par David, résonne avec une profondeur spirituelle qui traverse les âges et les générations. Il exprime une confiance absolue dans la bonté et la sagesse de Dieu, et il est un guide précieux pour nous, en ces moments où nous avons besoin de réassurance et de direction. Ce texte nous rappelle que notre Seigneur est notre berger bienveillant, celui qui veille sur nous avec un amour infini et une protection constante. En ce jour nouveau, nous nous tournons vers Dieu avec des cœurs ouverts et pleins d'espérance. Nous voulons que chaque moment de cette journée soit guidé par sa sagesse, enveloppé de sa protection et imprégné de sa paix divine. Nous croyons fermement que Dieu est avec nous dans chaque étape de notre vie, et nous cherchons à manifester cette confiance dans notre prière commune. Comme le dit le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cette parole, écrite par David dans un acte de confiance profonde en Dieu, résonne encore aujourd'hui comme un témoignage de la fidélité et de la bonté de notre Seigneur céleste. En nous basant sur ce psaume riche en signification, nous entrons dans cette prière avec la certitude que Dieu est notre guide, notre protecteur et notre pourvoyeur. C'est un privilège et une responsabilité de commencer chaque journée sous sa direction, cherchant sa sagesse et sa protection pour nous guider à travers les défis et les bénédictions de la vie. Je vous invite tous à vous joindre à moi dans cette prière, en méditant sur les paroles du psaume 23 et en affirmant notre foi en la puissance transformante de Dieu. Que cette prière soit une source de réconfort, de renouvellement spirituel et de communion fraternelle, alors que nous nous engageons ensemble dans la présence aimante de notre Seigneur. Nous vous invitons à écrire en commentaire « Seigneur, aide-moi à surmonter toutes les épreuves et guide-moi vers le droit chemin en m'offrant ta protection. » Ces paroles sont plus qu'une simple déclaration. Elles sont une demande sincère pour la guidance divine. En les partageant, vous vous engagez dans une démarche spirituelle de recherche de la protection et du soutien de notre Seigneur, tout en permettant à notre communauté de prier ensemble pour des intentions communes. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous approchons de toi avec des cœurs remplis de gratitude en ce matin prometteur. Nous te remercions pour le don de cette nouvelle journée, pour le souffle de vie que tu nous offres et pour la chance de commencer ce jour sous ta bénédiction. Nous nous réjouissons d'être dans ta présence, de nous nourrir de ta sagesse et de chercher ta guidance divine. Aujourd'hui, nous nous inspirons du psaume 23, un texte ancien qui résonne encore avec une clarté et une vérité immuables. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, nous affirmons notre foi en toi, en tant que notre berger aimant, celui qui pourvoit à tous nos besoins et veille sur nous avec une sollicitude inébranlable. Nous te remercions pour ta providence et pour le fait que tu es toujours là pour nous guider à travers les défis et les incertitudes de la vie. Nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner tout au long de cette journée, de nous guider avec ta sagesse infinie, que nous puissions ressentir ta présence constante dans chaque décision que nous prenons, dans chaque action que nous entreprenons, que nous nous souvenions toujours que nous ne manquons de rien lorsque nous marchons avec toi, car ta provision est complète et parfaite. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Ô Seigneur, nous te demandons de nous offrir des moments de repos et de paix aujourd'hui. Dans ce monde agité et tumultueux, nous cherchons des havres de tranquillité où nous pouvons nous régénérer et retrouver notre équilibre spirituel. Que tu nous conduises vers ces lieux de sérénité, loin des bruits du quotidien, pour que nous puissions trouver le calme et la paix en toi.
Nous savons que ta provision ne se limite pas seulement aux besoins matériels, mais aussi aux besoins émotionnels et spirituels. Nous te demandons de restaurer nos âmes fatiguées, de renouveler notre esprit et de fortifier notre cœur. Que cette journée soit remplie de moments de calme où nous pouvons nous reconnecter avec toi, méditer sur ta parole et trouver la paix intérieure. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Seigneur, nous te prions pour un renouvellement spirituel profond. Nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, cherchant à être restaurés dans notre foi et notre engagement envers toi. Guide-nous sur les chemins de la justice, afin que nos actions reflètent ta volonté et que nous puissions vivre d'une manière qui honore ton nom. Nous savons que le chemin de la justice est parfois semé d'embûches, mais nous croyons que ta guidance est toujours présente pour nous aider à naviguer à travers les défis. Fortifie-nous pour marcher sur ce chemin avec courage et détermination. Aide-nous à rester fidèles à tes enseignements, même lorsque les circonstances sont difficiles. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, nous te remercions pour ta présence protectrice. Nous savons que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus sombres. En cette journée, nous te demandons de nous protéger contre toutes les adversités et les dangers. Que ta présence soit une source de réassurance pour nous et que nous puissions avancer avec confiance, sachant que tu es à nos côtés. Nous te prions pour que ta protection nous entoure à chaque instant. Que nous puissions faire face aux défis de cette journée avec un esprit calme et un cœur serein, sachant que nous avons la force de surmonter tout ce qui se présente à nous grâce à ta guidance divine. Que ta lumière éclaire notre chemin et nous aide à traverser les moments difficiles avec foi et résilience. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, nous trouvons du réconfort dans le fait que tu es notre guide et notre soutien. Nous savons que tu es là pour nous guider et nous protéger. Que nous puissions sentir ta main dirigeante sur nous tout au long de cette journée. Que nous soyons sensibles à ta direction, ouverts à tes conseils et prêts à suivre ta voix. Nous te demandons de nous aider à être attentifs à tes signes et à ta guidance tout au long de la journée. Que chaque moment soit une opportunité pour nous de nous rapprocher de toi, de recevoir ta sagesse, et de vivre selon ta volonté. Que nous puissions trouver du réconfort dans ta présence protectrice et nous laisser guider par ta houlette et ton bâton. Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Seigneur, nous te remercions pour tes bénédictions abondantes. Nous savons que tu nous offres des bénédictions même en face des défis et des adversités. Nous te prions pour que cette journée soit marquée par ta générosité et ta bonté. Accorde-nous la sagesse pour reconnaître et apprécier tes bénédictions et donne-nous un cœur reconnaissant pour partager ce que nous avons reçu avec les autres. Que notre vie soit remplie de ta grâce et que nous puissions être des témoins de ta bonté dans tout ce que nous faisons. Que notre coupe déborde non seulement de tes bénédictions matérielles, mais aussi de ta paix et de ta joie. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Seigneur, nous plaçons notre confiance en ta promesse de bienveillance et de miséricorde. Nous croyons que ta bonté et ta miséricorde nous accompagneront tout au long de notre vie, nous guidant vers une relation toujours plus profonde avec toi. Nous te demandons de nous aider à rester proches de toi, à chercher ta présence, et à demeurer dans ta maison éternelle. Que chaque jour de notre vie soit une occasion de nous rapprocher de toi et de vivre selon tes enseignements. Que ta miséricorde nous guide et que ta bonté nous accompagne à chaque étape de notre voyage. En ce début de journée, nous nous unissons également en prière pour notre communauté. Que chaque personne qui se joint à nous puisse ressentir ta présence réconfortante et recevoir ta guidance divine. Nous te demandons de bénir chacun de nous, de répondre à nos besoins et de nous fortifier dans notre foi. Que nous puissions nous soutenir les uns les autres dans notre quête spirituelle
et grandir ensemble dans ta lumière. Chers frères et sœurs, nous vous invitons à partager vos intentions de prière en laissant un commentaire ci-dessous. Seigneur, aide-moi à surmonter toutes les épreuves et guide-moi vers le droit chemin en m'offrant ta protection. Vos prières et vos intentions sont importantes pour nous et nous nous engageons à prier pour chacun d'entre vous. Ensemble, nous formons une communauté de foi unie dans la prière et la recherche de la guidance divine. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, nous nous inclinons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude et de dévotion. Nous te remercions pour ce jour nouveau que tu nous offres, pour la lumière du matin qui dissipe les ténèbres de la nuit et pour la promesse de ta présence constante dans nos vies. Comme il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, nous te remercions d'être notre berger bienveillant, celui qui veille sur nous avec amour et soin. Nous savons que sous ta direction, nous n'avons besoin de rien, car tu pourvois à nos besoins avec une bonté infinie. Nous te prions pour que tu continues à nous guider tout au long de cette journée, nous conduisant vers des pâturages verdoyants et des eaux paisibles. Quand les défis et les épreuves se présenteront, nous nous accrochons à ta promesse. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Seigneur, accorde-nous ta paix intérieure et la sérénité nécessaire pour faire face aux difficultés. Que chaque obstacle que nous rencontrons soit une opportunité de nous rapprocher de toi, de chercher ta sagesse et de trouver du réconfort dans ta présence. Aide-nous à rester calmes et confiants, sachant que tu es à nos côtés pour nous soutenir et nous fortifier. Nous te demandons de renouveler notre esprit et notre cœur, comme le dit le psaume « Il restaure mon âme ». Seigneur, remplis-nous de ta paix et de ta joie. Purifie-nous de toute anxiété et de toute peur. Que ta lumière éclaire notre chemin et que ta vérité guide nos pas. Dans les moments de doute et d'incertitude, aide-nous à nous souvenir de ta fidélité et de ta bonté, sachant que tu es notre rocher et notre refuge. Nous te prions aussi pour ta protection, en particulier lorsque nous passons par des vallées d'ombre de mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ta bâton me rassurent. Seigneur, protège-nous contre les dangers visibles et invisibles de cette journée. Que ta présence nous entoure comme un bouclier, nous préservant des malheurs et des tentations. Nous te confions notre sécurité et notre bien-être, convaincus que ta protection est inébranlable. Accorde-nous, Seigneur, une journée où nous pourrons ressentir ta main guidante, te remercier pour tes bénédictions et vivre en harmonie avec ta volonté. Que cette journée soit une occasion de grandir dans la foi, d'approfondir notre relation avec toi et de refléter ton amour dans toutes nos interactions. Nous te louons pour ta générosité et ta grâce infinie, et nous te prions pour que ta bénédiction repose sur chacun de nous aujourd'hui. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, à rechercher ta sagesse dans toutes nos décisions et à partager ta lumière avec ceux que nous rencontrons. Seigneur, en ce début de journée, nous t'offrons nos vies, nos cœurs et nos esprits. Que chaque pensée, chaque parole et chaque action soit empreinte de ta présence divine. Nous te remercions pour ta guidance continue et pour le renouvellement que tu apportes à nos vies. Que ta paix, ta joie et ta bénédiction nous accompagnent tout au long de cette journée. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde en paix tout au long de cette journée. À très bientôt pour une nouvelle rencontre spirituelle. Nous vous encourageons également à vous abonner à notre chaîne Parole Divine pour continuer à recevoir des prières inspirantes et des messages de foi. Que cette journée soit remplie de la lumière et de la protection de notre Seigneur et que nous puissions avancer avec courage et confiance sous sa divine conduite. Nous vous souhaitons une journée bénie, pleine de paix et de bonheur, et nous nous réjouissons de prier ensemble avec vous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ.
Amen.